non, 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 non. Putain. Go commenter, non? Pas yeux clos. Non, c'est bon, ta gueule. Je vous montre. Regarde, je vais même valider, hein, comme ça, vous allez voir que... Tac, regardez. Je suis vraiment pas préservé aux abonnés, pas du tout. Seuls vos abonnés, non. Non, non, mais les abonnés, les followers, c'est pas la même chose. Bah quoi? Bah non, mais il est pas réservé. Les abonnés, c'est ceux qui payent, ouais, et dans ton chat Twitch, tu cliques sur la petite roue dentée en bas à droite. Ah, attends, vas-y, on va voir. Tu parais que t'as été discuté avec Pantoufle, non? Ouais, alors c'était trop bizarre, on a discuté par live interposé, Bah écoute, ça m'étonne pas qu'il s'est fait des ennemis parce qu'il aime bien, il a un esprit critique, on va dire vif quoi. Ouais, il aime bien voilà. Titi, il aime bien. Mais il est rigolo, Titi, Pantouf, il aime bien gentil. Il est gentil, je l'aime bien moi. Moi j'aime bien, c'est mon petit crush en ce moment. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors, je t'ai dit la mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle si tu veux, je suis passé à l'Olympia. Ça y est? Ouais. Alors, t'as été dans ta poubelle géante? Non, non, j'ai juste dansé sur une chanson, sur qui que ce soit. D'ailleurs, merci à Jacques pour l'invite. Là, la Fontaine est restée à table, les gars. Qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. Ça peut être qui que ce soit. Bah, t'aurais pu m'inviter? Ouais, j'ai vu que El Pueblo est décédé. Et enfin, il était tout jeune. C'est ce qui a été annoncé sur Twitter, en tout cas. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai? C'est une autre question. Et mais en gros, si c'est le cas, bah, putain, il était jeune, quoi. Donc merde. 26 voilà. ans, ouais, c'est triste. Enfin, je sais pas quoi dire. Même s'il était vieux, c'est triste déjà. Donc. Non, mais je veux dire, ça, c'est genre, il est super jeune en plus, quoi. Donc bah, fait chier en fait. C'est enfin. C'est chaud, quoi. Et surtout que lui, c'est vraiment, c'est un mec qui a réussi à transcender un petit peu son état, qui a réussi à. A même amené des gens à se débrouiller finalement, parce qu'il y avait des trucs qui. Des sortes d'astuces quoi, donc c'était pas forcément que de la merde tout le temps, et c'était fou quoi, et le Gange l'a tué, semblerait-il. Donc c'est horrible en fait. Enfin, on sait pas si le Gange a un rapport, vraisemblablement il est mort d'une crise cardiaque. Ah ouais? Okay. Ouais, moi c'est ma façon de voir les choses par rapport à un travail social que j'ai fait avant, donc je me dis c'est ma façon de voir les choses, mais je sais que la plupart ne font pas ça parce qu'ils veulent garder aussi un certain espace de confort dans leur façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses, c'est juste que ouais, moi je suis bizarre. C'est sûrement ça le truc. Gens, je pense pas que tu sois bizarre là, c'est juste t'es pas quelqu'un de polarisé quoi. Oui, t'es ça. Pas quelqu'un qui va en fait j'ai l'impression que tu juges pas les gens. Non, j'ai pas envie de juger en fait. Enfin, je pense qu'il y a assez de monde pour donner son avis et son jugement basique. Et moi, j'ai juste envie d'observer les choses. J'observe beaucoup. Après, des fois, je peux m'énerver, donner mon avis et tout. Mais c'est vrai que j'essaye de regarder un peu en observateur. Et c'est vrai qu'il y avait Tepa aussi qui faisait ça. C'est-à-dire, ouais, t'es observateur, ouais. Tu poses des questions comme un candide. Et c'est tout. Et le but, c'est de la maïotique, quoi. C'est comprendre en fait ce qu'il y a dans la tête des gens. Sans forcément vouloir avoir une conclusion à la fin. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais ça sert à rien. Mais il n'y a pas forcément de conclusion. Quand je parle avec un cannibale, je ne vais pas essayer de le guérir, vous doutez bien. Quand je parle avec Conversano, je ne vais pas le rendre antiraciste et de gauche. Les gens me disent, ah, mais voilà, ça te fait bander. Lui, il fait la promotion de tout ça. Il fait la promotion de Zuckerberg, des mondes virtuels. Je dis, mais non, c'est juste ce que je vois, quoi. C'est pas ce que je veux. De quoi... Enfin, les gens. Ils ont écouté ça avec un prisme de départ. Enfin, je sais pas comment on en arrive là, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas comment on en arrive à ce que les gens prennent l'expression de ce que j'envisage, de ce que je vois dans le futur de façon, a priori, dépassionnée, tu vois. En dehors de tout jugement, comment ils arrivent à amalgamer ça avec un désir particulier. C'est-à-dire que moi, il y a plein de gens qui me parlent, mais moi, je parle pas à tous ces gens. Tu vois ? Exactement. Non, mais c'est ça, c'est les gens confondent beaucoup de choses. C'est-à-dire... Enfin, par exemple, tu cites la Harari ou tu as cité Schwab, tu dis t'es d'accord façon de parler encore. Hein. Tu dis je pense comme ouais, eux. Bien sûr, non, certains je vont m'intéresse dire... à ce qu'il dit. En fait, c'est pas ça, c'est juste de dire je pense comme eux. Des fois, j'ai l'impression de penser comme eux et tout. Ça sous-entendrait que tu es d'accord avec eux façon de parler surtout peut-être, etc. Et ça qui est marrant, c'est il y a une sorte d'extrapolation, une exagération à chaque fois des propos. Et c'est le principe d'Internet de toute façon. C'est en gros, on est dans le putaclic total. C'est-à-dire tout le monde est dans le putaclic, même quand il parle, parce que c'est plus facile d'impacter en disant ouais machin il est pédo que dire ouais il est sorti avec une meuf de 16 ans. On a entendu dans le débat médiatique des voix demandant un procès expéditif pour la suspecte présumée de ce meurtre sans avocat, procès qui la condamnerait directement à la perpétuité. C'est remettre en cause tous les fondements de la justice française. Oh, vous faites allusion au propos de monsieur Hanouna. Ah Cyril, t'es dans la sauce. Cyril, tu vas perdre ta chaîne, tu vas perdre... Faut m'inviter avant là, faut m'inviter un petit peu avant Cyril, là faut se dépêcher là, c'est maintenant.
Là, Cyril, si tu veux faire une bonne action, c'est maintenant qu'il faut m'inviter. Comme ça, moi, je récupère ton buzz et ensuite, Baba, je t'invite pour dire voilà, c'était toi, c'était le début des Gilets jaunes. Oui, oui, Hanouna a surpris tout le monde. Après, il a fait un peu le démagogue, j'ai l'impression. 2 millions de téléspectateurs. Vous savez, bah, au pire, faites des prisons spéciales au QTF, des gens qu'on ne peut pas envoyer dans leur pays. Ou un village de QTF. Faites une île, petite île, dans le Pacifique, ce que vous voulez, hein, l'Atlantique, démerdez-vous, même dans la Méditerranée, mais il n'y a pas beaucoup d'îles peu occupées. Mais en gros, vous faites ça, vous faites une petite île, et vous faites une île des OQTF, OQTF, occupée par des OQTF. Les OQPF, vous les appelez. Voilà, ils sont occupés en France, mais par OQTF. C'est pas de la déportation. Mais non, c'est pas une déportation, c'est. Non, ils sont condamnés! Mais putain, les gens! Vous mettez bien des gens en prison! Vous en foutez de. Hein, vous êtes pas. Mais on les met en prison, c'est privé de liberté, on les déporte dans la prison. Bah c'est pareil! Sauf que t'as une île, avec un petit appartement, mais sauf que c'est au QTF Land! Mais non, je parle pas pour eux. Et on n'est pas une team, comme dit Théo. On fait chacun notre truc dans. Moi, j'ai pas d'échange avec Dany et Raz, hors dehors du chat rapidos. Un petit MP de temps en temps, mais c'est très. C'est souvent ça, voilà, t'inquiète, je te rassure. On est avec toi, voilà, tu vois. On peut pas dire qu'on construit rien ensemble. J'ai acheté des capotes. Ouais, bon. Hein, c'est... Bref, c'était en préambule, juste parce que j'ai vu ton tweet. Et je me doute que peut-être Dany et Raz ou d'autres vont venir voir. Et voilà, je voulais mettre un disclaimer. Je parle pas pour eux, on se met pas d'accord sur les idées. On se met d'accord sur rien. Ah, là-dessus, je sais. Mais attention, voilà, le tweet est ultra putassier. Voilà. Alors, moi, personnellement, je sais faire la différence entre toi, Zawa Prod, et même entre Moufette, Krohn, par exemple, et Dany et Raz. Je vois Zawa bien, Prod, même des fois, les dissensions. Hein, mais... voilà. Moi, je défends pas la Zawa Prod, même si j'apprécie le contenu. Et je suis souvent aligné avec leur position, il n'y a pas de souci. Pantoufle, dis-toi, imagine sur le long terme. Genre. On peut faire un business, moi je te fais des dons en retour, tu vois, genre, Pantouf, un petit business de ruissellement si tu veux. En plus, tu vois, il me dit pas c'est interdit, tu vois, donc Pantouf, profite. On m'a démute. Ah, hein. Vas-y, qui? Qui? Oh, dénoncé, là. Oh, police. Police. J'ai le droit à une phrase. La Gestapo. Ah, il a le droit à une phrase, laisse-lui une phrase. Ah, c'est vraiment pas moi. C'est vraiment pas moi. Camarade Pantouf. Vas-y, Pantouf. C'est le chaos. Ah, il y a de la rébellion. Oh, putain, merde. Garkam. Toi, tu viens de chez Dany et Raz, hein, j'en suis sûr. Hein. T'es pas un... T'es... Non, j'aime bien Dany et Raz. Hein. Tu serais pas un peu une gauchiasse, toi? Le The Event. Tellement mieux que le GP Explorer. Déjà hors sujet, parce que c'est incomparable. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment la réflexion de gaucho, quoi. Trop de codes repris de la TV, je suis désolé, je viens de chez Zioclo. Ah, ok. Bah... Ouais, non, on a déjà eu ce débat. On va examiner ces deux bouts de jambon. Bonjour, ça va, madame? On rappelle que c'est TikTok, que c'est... là, on est dans l'intrusion de la tête des gens qui... c'est idiocratie, en vrai. qui... comment dire? Ont besoin d'avoir leur quart d'heure de gloire. Donc souvent en quête, voilà, de relations sociales, de se faire, comment dire, ouais, voilà, plus original, plus vivant. Bonjour, ça va, monsieur? Alors, French Grim TV, dans un premier temps, j'ai essayé vraiment de partager une France qui a été ignorée et qu'on se force d'ignorer. Et puis ces gens-là, ils vivent avec nous. Et puis au fur et à mesure, comme t'as dit, on s'y attache et puis ça devient un genre de South Park et de striptease à la fois. Donc voilà. Ah, c'est clairement un South Park et un striptease, c'est vrai. C'est pas bête comme comparaison. c'est un mélange des deux. Ouais. C'est un peu ça, mais il y a de tout en fait. Exactement, vas-y. Moi ce que je voulais entreprendre, c'est des personnages qui sont assez récurrents et des personnages qui tournent autour.
donner un nom au French Dreamer en fait. On n'avait pas, soit on disait les Cassos, soit on disait les Nordistes, soit on disait tout. En fait, c'est tous des Dreamers. On est tous des Dreamers à notre à échelle. À notre niveau, exactement. D'accord avec toi, exactement. Mais après, moi, j'essaie de pousser à l'extrême, on va pas se mentir aussi. Mais je cherche pas de reconnaissance spécialement au niveau de ce travail, je cherche pas de fame. Vraiment, moi, je cherche simplement vraiment à ne pas haïr ces gens-là, surtout à ne pas faire de harcèlement, quoi que ce soit. Ouais, mais montrer ces gens-là et dire ces gens-là existent. Ces gens-là existent. Et puis, il y a beaucoup de commentaires disant « Ouais, n'oubliez pas, ces gens-là votent. » Non, ils ne votent pas, ils s'en foutent. Ils sont totalement RSA, à part beaucoup. La société. Voilà, le seul lien qu'ils ont avec la société, c'est les aides sociales. Et ce sont des personnes pas méchantes qui vivent un peu leur vie et tu les mets un peu en avant. On rigole un petit peu de leur sottise, mais sans que ça soit méchant. C'est ça. C'est ouais. Comme tu le dis, c'est striptease d'internet. C'est comme je disais au début, il y a aussi un petit peu de South Park. Les personnages de South Park, voilà, ils sont pas élégants comme dit notre cher Pollux, mais on les apprécie, on les aime. Cartman, on l'aime. Non, non, mais je ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là ne sont peut-être pas élégants, mais c'est pas le problème. C'est comment tu traites l'information. Mais il la traite pas l'information, il montre juste. Ben oui, non, mais justement, il pourrait sélectionner. Bah oui, mais il sélectionne, mais il fait gaffe de pas prendre des trucs trop clivants, que ce soit de droite ou de gauche, justement, pour pas que ce soit récupéré d'une manière ou d'une autre. Soit controversé, soit bien aimé. Astérien. Moi, je me suis rendu compte que dans ma vie est une farce, ma vie est une blague, ma vie est un cartoon. Donc autant me jeter dedans les deux pieds liés et en rigoler un maximum. Donc après, que je sois malaisant, au moins je ne fais de mal à personne, j'en suis drôle. Et qu'on me traite de French Dream, de Malaise TV, c'est un petit peu ma vie et j'en rigole. Et surtout, je gagne bien ma vie avec ça. Oui, surtout que t'es devenu finalement une icône aussi par ce biais-là. Mais tu vois, vas-y, French. Quelle mentalité, une très bonne mentalité, je trouve. Et tu as l'autodérision aussi. Moi, je trouve ça. Il y a quelque part une forme d'intelligence au niveau de l'autodérision. Moi, j'aime bien, moi personnellement, me foutre de ma gueule, tu vois. Donc, pourquoi pas toi, pourquoi pas Zio, pourquoi pas Paul. Je pense qu'il en joue à Astérion. Hein. Faut arrêter d'imaginer qu'il est débile. Alors, j'en joue. Faut arrêter d'imaginer qu'il est bête. Allô, j'ai une proposition pour. Ah vrai, vas-y, c'est quoi la proposition? Vas-y. J'ai une proposition. Alors moi, pour que ne revienne plus pendant un mois, faut lâcher minimum un SMIC. Pour qu'il ne revienne plus pendant un an, 10K. Pour qu'il ne revienne plus jamais, 100K. C'est pas bête. J'en ai rien à foutre déjà dans le chat. Ça sera les prix. Point. Voilà, c'est bon. Je les lâche un SMIC. Oui, bon, un mois. J'ai déjà lâché un SMIC. Un mois. Ok, voilà. D'accord. Bon, un mois. Sauf extrêmement drama exceptionnel. Voilà, c'est. Il a violé un enfant, il a mangé une grand-mère, il a tué psychodélique, il a tué Dali pour prendre sa place. Voilà. Voilà. Bon, bah, on va rendez-vous le 27 novembre. Putain, et là, mon âme est corrompue totale. Hein. Sauf drama exceptionnel. Bah, Salman, ah, oui, on est d'accord. S'il y a drama, il vient. Ouais, s'il y a drama, il vient. Au pire, crée un drama. Voilà, voilà. Je vais te défoncer, voilà. Enculé. Si je te crois, je te nique ta mère. Désolé, est-ce que c'est bien d'accord? Sauf drama, voilà. Sauf drama exceptionnel. Voilà, menace physique. En présence de Sunman. Voilà, très bien. Donc voilà, Pantoufle, tu es invité prochainement. Mec, je vais venir chez toi, je vais chier dans ta boîte voilà. À lettres, je te jure que tu es un violent, moi. Voilà! Voilà, drama, donc ouais, ok, donc on organise la réponse du drama la semaine prochaine. On va fixer une date. C'est quoi cette histoire des meilleurs amis? Meilleurs amis de quoi? Il y a un moment, tu parlais de Daniel, meilleur ami. Pour situer. Justement, moi, j'ai pas compris. Alors, on parlait de quoi, justement? Meilleur ami, de... c'est un député des Français à l'étranger. C'est moi qui ai parlé de meilleur ami. Ah, meilleur ami. Pardon. Meilleur ami, j'aime bien parce que meilleur ami, c'est le premier mec qui m'a fait dépasser les 100 000 vues sur une vidéo. Mais Yarabi, j'avais fait une vidéo sur lui en 2016 et 15 et qui était le 10e épisode qui d'ailleurs était. Et du coup, c'est devenu ton meilleur Habib. C'est devenu mon meilleur Habib. Ouais.